Claude, Yann. À savoir si je reste pour la deuxième partie, je veux savoir ça implique quoi le .8.0, on s'aime, parce que moi je suis pris, hein, pour, je sais pas si vous savez, maintenant je suis pris, fait que on s'aime un peu en gang, tu restes là à la fin. C'était là 2 semaines, il fallait me proposer ça, tu sais. Puis... Bon ben félicitations, une de mes craintes, étant donné que j'ai manqué la semaine passée, et ça me fait chier parce que c'était une rencontre extrêmement importante, surtout pour moi, étant donné que la première rencontre, je suis arrivé puis j'avais à peine lu le scénario, puis que c'était des idées genre à faire boubou-boubou, puis tu sais, on avait vraiment aucune idée de la première et même la deuxième rencontre de qu'est-ce que ça allait avoir l'air comme projet, qu'est-ce que ça allait avoir l'air. Ce que j'ai peur, c'est qu'on... l'idée de la vieillesse, tout ça, le concept qu'on essaye de... l'idée qu'on essaie de leur donner aux spectateurs, que ce soit vraiment trop rentre dedans, que ce soit trop... c'est ça qu'on pense, et c'est mal, et c'est comme ça que vous pensiez aussi. En sortant, il faut que vous réfléchissiez sur le fait que ça c'est mal, puis c'est comme ça qu'on pense, puis que c'est un peu de cette manière-là qu'on aimerait que vous pensiez. Faut faire attention pour pas être moralisateur, pour pas être Dieu. On fait pas un œuf qu'on est Dieu puis on nous pose une vision. On est plutôt un œuf qu'on éclate les idées puis posez-vous des questions. C'est plutôt comme ça, t'sais. Partez dans vos idées. Nous autres, on est en âme des thématiques. Puis partez vous-même. Vous autres, vous êtes votre propre Dieu de tout ce qu'on vous a présenté. En fait, je trouve que c'est super bien aligné avec tous les éléments qu'on a soulevés. C'est comme si la vieillesse était un prisme. Et tu pouvais regarder le prisme par différentes facettes. Nous, on focus vraiment sur une facette, puis c'est selon ce cadre d'analyse-là. Je trouve que ça se fait super bien, puis on a vraiment des éléments qui sont pas super... C'est pas super prendre dedans des ombres de technocrates qui passent, puis c'est présent, sauf que c'est pas omniprésent, c'est pas des choses qui se voient tout le temps. Fait que je trouve que c'est un bel amalgame entre le gros côté artistique, puis le fil narrateur, l'histoire est vraiment super présente. Moi, je trouve que c'est vraiment super bien fait. J'ai une idée pour l'invasion de la scène, je peux devancer, mais la scène où Mme Tremblay est assise dans la salle et que les gens sont sur la scène, j'avais pensé qu'on pouvait là mettre vraiment les technocrates bizarroïdes, placés comme si par exemple ils portent comme des vestes rouges, puis quand il a kidnappé comme une espèce de truc de soie rouge sur elle, ils pourraient tous être là avec. Dans la salle avec Mme Tremblay en entourant, en disant eux aussi vous guettent,
comme eux aussi ils vous regardent. Et c'est quand même, je crois que le message peut être assez fort. Il parle au public. Ça sonne. Allô? Puis il parle. Ce qu'il fait, l'intention, c'est qu'il va prendre un rendez-vous. Il prend un rendez-vous pour aller visiter Madame Sagesse. Fait que là, hey, ça vous tente de rencontrer Madame Sagesse, mais on va prendre un rendez-vous. Fait que là, il parle avec le public. Oui, c'est bonjour, bien. J'appelle car j'aimerais ça prendre un rendez-vous pour visiter. Votre réponse, oui, Madame Sagesse Tremblay. Un autre sens. Oui, c'est ça. Non, non, c'est Madame Tremblay. Sagesse, son nom de famille. Combien on est? Son prénom. Vous n'avez pas dans vos listes? 50, là, je le fais mal, mais tu sais, dans le fond, c'est d'arriver avec le cellulaire. Ouais, non, non, mais ouais, je veux prendre un rendez-vous. Ça vous va, vous autres? Tout le monde, on prend un rendez-vous? Ouais. OK, ouais. On est 75, c'est correct? OK. Clac. Fait que c'est le noir. Un cadeau roule sur la scène. À l'écran. Rendez-vous à l'accueil dans 15 minutes. Une personne s'assure que tous les spectateurs vont quitter la salle. Fait que c'est juste de dire, OK, on prend un rendez-vous pour aller visiter une femme. Là, ils savent pas. OK, il y a un rendez-vous qui s'installe. On se rejoint en haut dans 15 minutes. Puis un cadeau qui roule pour redonner la signification du début, de dire, bon, mais, en tout cas, vous allez le déballer. Ça vient, en tout cas, il y a quelque chose qui va allumer ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'intention? C'est un capable. Oui, c'est ouais. Bon. Oui. On aime ça. C'est génial. Oui, c'est plus frais, plus... Est-ce qu'il y a toujours un acte 3 en tract? Acte 3 en tract, tout très changé. Mais est-ce que tu veux dire, dans le fond, c'est je suis pas enfermé là. Mon corps y est. Moi, je vais passer à travers la porte avec vous parce que vous allez partir avec une partie de mon expérience, de mon vécu. C'est ce que tu veux dire? C'est ça. OK, parfait. Whatever les mots, là, de toute façon, c'est pas les mots qu'on travaille, c'est vraiment l'intention. Non, mais c'est l'intention. L'intention, dans le fond, l'idée, c'est d'illustrer peu importe les bas. Puis là, c'est vrai, autant métaphysique que physique, peu importe les barrières qu'on se donne dans la vie, il y a tout le temps moyen de voyager, tu sais. Pour illustrer sur un autre plan, tu peux voyager en prenant ton sac à dos puis en allant à l'autre bout du monde, mais tu peux voyager en jasant, en t'allant te promener dans le quartier chinois dans ta propre ville, puis en essayant d'apprendre le mandarin, tu sais. Puis tu continues de voyager. Fait que tu continues d'avancer, tu continues d'exprimer ta liberté tant et si longtemps que tu es à l'écoute. Puis eux, ils sont libres, ces gens-là qui vont venir voir la pièce. Ils sont libres, puis dans le fond, si on peut les remplir de ce sentiment de liberté-là quand ils sortent, là, se trouver bon de se dire « Hey, j'ai exercé ma liberté puis je suis allé pousser ça plus loin, c'est intéressant, je pense, pour eux. » Puis là, ça crée une ouverture stimulante. Puis à quelque part, c'est ce qu'on cherche à faire, je pense. Donc, pour clore le sujet, est-ce que ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait garder un